Et bien reçu, aucun problème, ni à l'aéroport, ni à l'hôtel. Je ne sais pas si l'équipe rwandaise a eu un problème à l'hôtel, je ne crois pas. Les Béninois sont très hospitaliers, j'ai pu le ressentir moi-même. Et le public a une bonne attitude aussi envers l'équipe rwandaise. Le seul problème était qu'on n'a pas pu écouter nos hymnes nationaux, mais c'était pour les deux pays. Merci coach. Bonsoir, Média Bénin. Quand on, de votre carrière, vous l'avez dit, hein, vous êtes à la foot, ça fait un moment. Quand on joue un match dans ce genre de contexte, où voilà, tantôt c'est ici, tantôt c'est pas ici, et sur une pelouse à la limite qui n'est pas réglementaire, comment on se sent? Quel est le discours que vous avez face à vos joueurs qui sont pour la plupart des professionnels? Vous l'avez révélé tout à l'heure, ils ne sont pas habitués à jouer dans ces conditions, ni sur les stades du champ. Quel est le discours que vous avez pour gagner ce match? Quand vous faites tous les calculs possibles, vous dites non, on gagne ce match. Mais quel est le discours qui va avec ce genre de conditions? Malgré les conditions que vous venez de décrire, il faut faire un match sérieusement pour essayer de le remporter, parce que c'est la dernière chance pour se qualifier pour la CAN. En cas de victoire, il y a encore un bon espoir. En cas de défaite, c'est fini. Donc il faut vraiment, malgré tout, se concentrer sur le boulot. C'est des professionnels. Il faut s'adapter à toutes les circonstances. Et malheureusement, on n'a pas pu se concentrer vraiment sur le football depuis quelques jours. Mais on a quand même pu faire des entraînements et on a pu parler. Et je pense que les joueurs vont tout donner. Ils aiment leur pays, ils aiment leur maillot. Vous avez vu au match aller, comme ils se sont battus pour revenir courir après un score et faire le match qu'ils ont fait après. Donc j'espère que ça sera fait dans le même état d'esprit, même si les circonstances ne sont pas très bonnes. Quelle sera la clé de ce match? La clé de ce match, c'est de s'habituer vite à ce terrain et de continuer à jouer comme on l'a fait en deuxième mi-temps l'autre jour. Si on refait le même match comme en deuxième mi-temps l'autre jour, je pense qu'on peut avoir un bon espoir de faire un bon résultat. Merci beaucoup. Et puis, c'est monsieur. Et puis, on va passer de... Thank you. Welcome, Miguel Coach. My name is Seth, sport journalist in Rwanda, coming for Yongwe TV. First of all, was it your first time coming to Miguel? How have you seen Rwanda? Second, it is a group stage match tonight between Senegal and Mozambique. Given the result on Mozambique and the Senegal, will it have a positive or negative impact on the mentality of your players for tomorrow's game? Thank you so much. It's the first time that I come personally to Rwanda. I heard a lot about this country. It's the Switzerland from Africa, what they say in Europe. And I have wonderful pictures, wonderful view from my hotel room on the mountains. So I see really that's very nice. And so we're happy to be here. We are not so happy to play on a synthetic pitch and all these circumstances, but we have to do that. It's our job. And we are used in Africa sometimes to things what cannot happen in Europe. Still, there is a progress, but there are still some big problems. But we hope that the match will be okay for everybody. We regret there is no public that bring us back to the bad period of COVID when we had to play in empty stadiums. We believe that it's finished, but no, we still have to do that, because the stadium is not finished and I think the security is not guaranteed for the spectators. So let's concentrate, I hope, from this afternoon to the football to have a good game, like the first game was a wonderful game, suspense, good actions in front of the goal, good chances to score for the two teams. I think we had 26 shots on the goal, 10 on the target, they had 9, 4 on the target. The statistics were great for us, but not the score. I think we deserved the victory. We had also at least one or two penalties who had not been given. We saw it again in the video after, and we could not understand why, but it's like that sometimes. So let's have a good referee tomorrow, and the best team, the better team, will win the match. Last one for the coach. Bonsoir coach. Média Bénin. Steve Mounier a-t-il retrouvé toutes ses sensations? Est-ce qu'il pourra débuter demain?
Steve Mounier, dont le club n'a pas voulu le laisser à notre disposition, à son souhait et au mien de tout faire pour qu'il soit là. Sa blessure est OK, mais s'il joue un match, après, il a besoin d'une petite semaine pour récupérer, pour faire le prochain match. Avec Brest, il joue pour le maintien. Donc, on a décidé avec son directeur sportif, son entraîneur, qui est Eric Roy, un ancien joueur que j'avais à Nice, et avec le joueur même, qu'il devait jouer que 30 minutes. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le débuter ou est-ce qu'on va le faire entrer? En tout cas, ça passe par là, et encore à condition qu'il puisse prendre l'avion ce soir. Donc, ça faisait beaucoup de négociations, mais j'espère qu'il sera avec nous demain pour ce grand match. Merci. Monsieur Dodo, je vais vous expliquer comment vous êtes préparé sur ce match pour côté des joueurs. Et merci. Bien, bon. Nous tous, nous sommes concentrés sur le match parce qu'on sait que c'est un match décisif pour nous. On reste concentrés avec tout ce qui s'est passé. Cela ne dérange pas notre concentration. On sait qu'on est venu à Kigali ici pour remporter les 3 points et rentrer au Bénin. Vous êtes encaissé un but dans le match aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça arrive, c'est le football. On peut encaisser 2 buts, remonter à 3 buts. Cela ne reflète pas la figure du match, mais tout compte fait, c'est de gagner notre match. De gagner notre match. Nous sommes venus ici dans un état d'esprit de gagner, de partir au Bénin, c'est ça. Moi, je m'appelle le docteur Félix Abdoukaba pour Issamoussa. Je m'adresse à vous, comme vous venez de nous dire, vous êtes dans un état d'esprit de gagner le match. Certainement, c'est un match très capital pour vous-même. Qu'est-ce qui est le discours parmi vous dans le groupe, précisément, juste pour ce match? Non, nous, notre discours, c'est quoi? C'est qu'avec tout ce qui s'est passé, tout le monde reste concentré. Puis, on sait que c'est un terrain synthétique que beaucoup de nos professionnels n'arrivent pas à utiliser en Europe. Mais on reste concentré, on donnera le meilleur de nous-mêmes. Mouiller le maillot pour notre drapeau et remporter les 3 points, ce qui est évident, ce qui est vraiment capital pour nous. Bonsoir. Ça, c'est une belle question, mais ça dépend du coach. C'est la décision vient du coach. Et j'aurais aimé jouer à côté de Cécy Damé et Cécy Damé d'ailleurs à Deoti, mais voilà, finalement, leurs clubs ont eu besoin d'eux. Donc, ce qui a fait qu'ils sont repartis dans le club, mais cela dépendra du coach. Ça, c'est une décision que le coach prend. Vous étiez prêt à prendre ces grandes responsabilités? Moi, j'ai été toujours prêt depuis qu'ils m'ont appelé, depuis que j'ai reçu la convocation de l'équipe nationale. J'ai été toujours prêt à mouiller le maillot pour mon drapeau. Ce match a connu des reports sur report, y compris le voyage. Est-ce que ça a un impact sur le mental de joueurs de tes coéquipiers? Oui, oui, ça a un impact. Mais on reste concentré. On sait que nous sommes des grands garçons, nous sommes des professionnels. On sait qu'à tout moment, tout peut arriver. Donc, si on était vraiment inquiet, on n'allait pas venir ici. Mais tout le monde a fait le déplacement. On est venu ici, on sait qu'on fera le job et puis repartir. Oui, beaucoup de bonsoir. Vous particulièrement, ce genre de match et le match que vous affectionnez le plus parce que vous avez un état d'esprit assez fort. Quand vous regardez votre trajectoire de footballeur, vous vous dites, je dois écrire mon histoire sur ce genre de match. Est-ce que vous êtes en phase avec moi? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un match capital, comme je viens de le dire. Moi, je sais que je ferai tout possible pour remporter les 3 points parce que avec tout ce qui s'est passé, on sait, même tout joueur sait que, bon, on reste concentré et on sait qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes pour au moins gagner ce match. Parce que c'est vraiment capital pour la qualification. Alors, Boudou, est-ce que vous avez discuté avec le coach? Est-ce que vous postulez pour une place de titulaire pour demain? C'est ce qui a été commis? Non, non, ben, ça, c'est au coach de répondre parce que moi, je n'ai aucune décision là.
C'est le coach qui fait son choix et puis et le dernier mot lui revient.